Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Benoît Paget, président cofondateur de Green Big, à l'occasion de la deuxième édition de la grande exposition du fabriqué en France à l'Élysée. Il est venu présenter sa machine à recycler les bouteilles en plastique. Cossé Labouèche l'a rencontré. Alors le Bibot qu'on voit derrière nous, c'est une machine qui collecte ces bouteilles, donc toutes les bouteilles en plastique de boissons que sont les eaux, les jus, les sodas. Ça représente quand même 17 milliards de bouteilles en France consommées et jetées tous les ans. Et Bibot, elle collecte ces bouteilles, elle les transforme en paillettes, donc des espèces de petits flocons en les séparant par couleur, ce qui nous permet d'avoir un produit qui est beaucoup plus facile à recycler en circuit court et qu'on revend aux industriels qui fabriquent ces mêmes bouteilles et qui cherchent de plus en plus de matières recyclées pour fabriquer des nouvelles bouteilles dans une logique d'économie circulaire. Et on essaie de résoudre ce paradoxe qui est que nos poubelles débordent de bouteilles et eux ne trouvent pas suffisamment de matière. Donc Bibot, c'est dans les supermarchés pour que les gens puissent rapporter leurs bouteilles et que ça redevienne une bouteille. Je prends une bouteille et je vais l'introduire en présentant le code barre vers le haut pour que la bouteille soit lue et reconnue. Elle part dans le tunnel. Elle va directement être triée. On voit en vidéo et en live la bouteille se faire broyer. Et en fait, elle tombe dans les bacs du bas en étant séparée. Là, on avait une bouteille verte, donc de couleur, qui est dans un bac au centre qu'on ne voit pas. Et si on avait mis une bouteille transparente, elle serait dans ces bacs qu'on voit devant nous. Le geste écologique marche, mais quand on donne un petit bonus financier, c'est encore mieux. Et donc, effectivement, quand les utilisateurs rapportent leurs bouteilles dans la machine, ils sont récompensés avec un bon d'achat qui prend souvent la forme de 1 ou 2 centimes par bouteille qui devient un avaloir sur leur ticket de caisse. Et tout le monde est gagnant parce que le consommateur gagne de l'argent en recyclant. Il peut aussi faire un don. Donc il prolonge son geste environnemental par une action sociale. Et le supermarché aussi, il gagne parce qu'in fine, ça lui permet de faire revenir ses clients dans son magasin en offrant un service qui est écologique. Évidemment, Bibot est fabriqué en France, en Normandie, à Dieppe précisément. Et en fait, pourquoi c'est une plus-value ? Parce que plus on donne de sens aux gestes, plus les citoyens voient que leur geste a une portée, plus ils participent, plus ils contribuent. Donc là, en fait, la machine est transparente en partie basse, donc ça leur permet de dire, ma bouteille va vraiment être recyclée, et ça, ça me confirme dans le fait que je suis prêt à faire un effort. Le fait qu'ils puissent faire un don, que leur bouteille permette d'aider des associations, ça contribue à ça. Le fait que ça soit Made in France, ça participe de ça, de ce cercle vertueux où on se dise, plus je mets de bouteilles dans la machine, plus il y aura de machines, plus il y aura d'emplois créés en France, plus on refera, on dynamisera le tissu industriel français. Et les gens sont en fait assez sensibles à ces thématiques-là. Et donc le Made in France participe de ce cercle vertueux. Alors on est aujourd'hui dans à peu près 150 supermarchés, plutôt Normandie, région parisienne, ouest de la France. On va dire que la Bibot est attirée par la mer. Mais en fait, on en déploie de plus en plus. On en installe quasiment une par jour. Donc l'idée est d'en avoir à peu près 300 à 400 d'ici la fin de l'année. Voilà pour ce reportage de Cossé Labouèche. Fin de cette émission, on se retrouve demain pour Smart Future, l'émission de l'innovation, et dès lundi pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Salut.